à faire. Quand je vois le désordre comme ça, je sais pas quoi faire. Oh bah pourtant, c'est facile, hein. Range. Bah oui, je sais. Tu as raison, mais je sais vraiment pas par quel bout commencer. Bah tiens, commence par ces fameuses chaussettes qui traînent. Vous savez, les filles, moi, ça me dérange absolument pas de laisser mes affaires rangées dans mon sac. Hein. C'est très bien. Bon, non, tu vas pas les laisser ranger comme ça. C'est vrai, il faut qu'on trouve une place. Je suis sûre qu'on va trouver une place ici. Mais Lali, arrête, ça, c'est le placard d'Hélène. Bon, Lali, arrête ça tout de suite. En plus, c'est moi qui suis trop dans cette chambre. Mais non, enfin, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? C'est vrai, tout le monde sait qu'Hélène partage tout avec tout le monde. Enfin, bon, évidemment, à part Nicolas. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je suis sûre qu'elle dira rien si tu lui empruntes une toute petite partie de son placard. Mon cul de Lali, tu crois pas que t'exagères un peu, là? Tu pourrais demander à Hélène si ça la dérange pas, au moins. Ah, ça fait du bien de prendre une bonne douche. Pour une fois, j'ai de l'eau chaude. Qu'est-ce que tu fais dans mon placard? Ah ben, je rangeais un peu. Bah, merci, c'est gentil de t'occuper de mes affaires. Ah non, non, je rangeais pas tes affaires, je rangeais les affaires de Bénédicte. Bon, Lali, arrête ça tout de suite. De toute façon, je t'ai dit que ça me dérangeait pas de laisser mes affaires dans mon sac. Excuse-la, Hélène, hein, mais elle veut toujours trop en faire. Mais non, attends. Attends, pousse-toi. Regarde. Si tu mets ça en bas... Oh, regarde, tu as de la place, là. Attends. Voilà. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Moi, j'avais bien proposé mon placard, Hélène. Mais regarde. Si je range toutes mes affaires, forcément... J'ai trop de fouillis. Non, de toute façon, je connais ton placard. Il suffit de rajouter une paire de chaussettes et tout s'écroule. Bon, ben maintenant, j'ai un peu rangé, je vois un peu plus clair. Ben voilà. Bénédicte, tu pourras même ranger un peu là, si tu veux. Oh, les filles, vous êtes vraiment trop gentilles. Hein. Oh. Ben non, c'est naturel. Mais non, Lali, mais c'est vrai. C'est moi qui suis trop dans cette chambre. C'est vrai, elle n'est pas faite pour trois personnes, cette chambre. Et en plus, c'est interdit ce que vous faites pour moi. Ouf. Bah alors là, tu sais, il n'y a vraiment pas de problème parce que tu vois, le gardien, il est amoureux de nous, alors il ferme les yeux sur tout, mais alors absolument tout. Hein, mais oui, c'est vrai. Mais quoi, mais écoute, on est belle, on est intelligente, il faut profiter de la vie. Mais c'est vrai, ça, la vie est belle, n'est-ce pas, Hélène? Ouais. Tu nous ferais pas un petit sourire ce matin, hein? Quand même. Mais moi, je sais pourquoi elle a cette tête-là. Elle a cette tête-là parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle s'est trop dépensée avec son petit Nicolas hier soir. Ça doit être ça. Ou alors c'est à cause de moi, non? Bon, d'accord. Eh ben moi, j'ai sacrément faim. Ça vous dit un petit déjeuner dans la cafette? T'es prête? Ouais, ouais, bah vas-y. Bon, ok, vous venez avec moi, les filles? Ouais, ok. Allez, en avant pour les croissants. Bon, ok, j'arrive. Hein. Attends, Lina. Tu peux rester un petit peu parce que faudrait que je te parle. Ben, ouais, si tu veux. Bon, voilà, vous êtes tous au courant. Ouais, bah oui. Franchement, en allant l'acheter ce matin, je m'attendais pas à ça, tu vois. Ouais. En tout cas, moi, maintenant, je sais que vous êtes des obsédés qui achètent des magazines avec des filles à moitié nues. Non, attends, oh, José. Tu nous as fait un cinéma avec ce magazine, forcément, on voulait savoir ce qu'il y avait dedans. Oui, exactement, c'est vrai, ça. Seulement, moi, je m'attendais pas à ça. Hein. On dit ça, hein. Bon, écoutez, ça reste pas le moment de plaisanter. Mettez-vous à sa place, ça va pas être facile pour elle. Mais qu'est-ce qui lui a pris de faire ces photos? Mais je sais pas, moi, elle avait l'air pourtant d'être une fille bien. Non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ces mentalités retardataires? C'est pas parce qu'elle a fait ça qu'elle vaut plus un clou, enfin. Mais c'est pas ce que je voulais dire, écoute. Seulement, j'avoue que ça fait un choc. De toute façon, c'est pas la peine de la juger, on n'a pas le droit. Alors, non, c'est fait, c'est fait. Elle devait être jeune, en tout cas. On la reconnaît à peine. Le problème, c'est qu'on la reconnaît encore. Alors imagine à la fac. Ouais. Ça va être l'enfer. Surtout s'il y a des obsédés comme vous qui ont acheté ce magazine. Oh, ouais. Non, attends, ça va, attends. Hey, qui c'est qui a commencé, hein? Mais j'y pense, mais... T'as pourvu que Bruno l'ait pas fait comme nous. Bah oui, c'est ça qui me fait le plus peur. J'imagine pour lui ce que ça va être. Très dur. Très dur. Dur? Dur? À mon avis, il connaît déjà. Hein. Et en plus, il a la consolation de l'avoir tous les soirs dans son lit. Non, c'est vrai. Moi, je le plains pas. Oh. Et vous avez vu la page centrale? Elle est quand même bien roulée, la petite Aline. Oh, ça va avec ça. Arrête, écoute. Imagine qu'on fasse ça avec Bénédicte. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je voulais juste détendre l'atmosphère. Bon, j'ai eu tort. Et pourquoi elle a fait ça, d'ailleurs? Ben, je sais pas. Elle a sûrement besoin d'argent, à ce moment-là. Il paraît que c'est bien payé, ce genre de photo. Mais je vous l'avais dit, moi, le milieu de la photo, c'est pourri. Attends, oh, c'est pas bon de généraliser, non plus. Bon, bah, ben, c'est clair. Elle s'est fait avoir. Quelqu'un lui a raconté n'importe quoi, et puis voilà le résultat.
Hey tout le monde! Ça va? Très bien, et toi? Ah ben, super, je suis en pleine forme. Tant mieux. C'est vrai que t'as l'air gay. Bon ben, c'est là que ça tient. J'ai entendu mon horoscope ce matin, à la radio. Tout va très bien pour moi. À ta place, je me méfierais des horoscopes. Ben pourquoi? Y a un problème? Non, aucun. Non mais l'essentiel, c'est que tu te sentes bien sans nécessairement avoir besoin d'écouter la radio. Oh, mais t'inquiète pas pour moi, Nicolas, hein. Tout va très bien. Là, en ce moment, je crois que je traverse une bonne nuit de passe. Oh! Et vous avez récupéré les synthés? Ouais, Roberto nous les a rendus. Ah, mais c'est génial. Eh, regardez, en plus, j'ai trouvé un nouveau journal ce matin. Regardez, dernier numéro de Micropuce, avec une disquette gratuite, avec un super programme de séquenceur. Super. Bien, non? C'est génial. Ah. Alors, qu'est-ce que vous avez tous à faire cette tête-là? Y a un problème? Non. Bon, ben, on y va. Hein. Oh. Tiens! Ah, j'y arrive pas. Attends, tu mets la disquette? Ouais. Est-ce qu'on voit ce que ça vaut? Eh bien, accroché. Hein. Mais pourquoi ils m'ont fait ça? Pourquoi? Allez, calme-toi. Hein? Calme-toi, ça va aller. Hélène, je veux pas que tu penses que je suis une perverse, tu comprends? Je veux pas. Mais écoute, comment veux-tu que je pense une chose pareille? T'es mon amie, je t'aime comme tu es, quoi que t'aies fait. Tu dois penser que je suis une salope. Hein. Mais ça va pas te dire ça, non. Écoute, ça change rien pour moi, tu le sais très bien. Mais tu mens forcément, maintenant que t'as vu ces photos, tu dois penser du mal de moi. Bon, non. Écoute, je te jure que non. Tu me crois? Ouais, merci Hélène. Allez. Et depuis quand tu le sais? Bah depuis... Et c'est qui a vu le journal? José. José? Ah oui, tombé dessus par hasard. Et puis bon, il t'en a parlé? Non, en fait, il l'a dit à Nicolas, puis c'est Nicolas qui me l'a dit après. Oh mon Dieu, si je le sais, tout le monde doit être... Tous les garçons sont au courant et... J'oserais jamais plus le regarder en face, j'ai trop honte. Mais écoute, faut pas avoir honte, à pas rougir de ton passé. Et Bruno, il est au courant? Bah non, je crois pas. Il t'en a pas parlé? Bah non, il m'en a pas parlé. S'il a vu, il doit me détester. Mais non, arrête de dire ça, écoute. C'est horrible. Allez. Allez, ça va aller. C'est vrai que ça doit être dur pour toi, mais maintenant, faut que t'arrives à oublier tout ça, hein? Comment veux-tu que j'oublie une honte pareille? Écoute, t'as bien réussi à vivre jusqu'à maintenant comme ça, hein? Alors tu continues. Ouais, c'est vrai, mais... Tu vois, je pensais pas que c'était mal quand j'ai fait ces photos. J'avais 17 ans, j'avais pas un sou, mes parents non plus. Alors, tu vois, quand le photographe m'a proposé 5000 francs pour faire ça... Ça m'a tourné la tête et c'était une fortune pour moi. Bon, écoute, arrête. T'as pas à te justifier envers moi. Hein? Je sais que t'es une fille bien. Et puis au départ, c'était pas des photos nues, c'était juste des photos en maillot de bain. Mais ouais, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, de toute façon. Et puis bon, après. Pour me mettre en confiance, le jour de la séance, le photographe est venu avec sa femme. Alors évidemment, moi forcément, je me suis pas méfiée, tu vois. Mais ouais, mais de toute façon, ces gens-là, hein, c'est des spécialistes. J'avais besoin de cet argent, Hélène. J'étais à la rue. Mais oui, je comprends. Il t'a servi au moins, cet argent? Ouais. J'ai donné la moitié à ma mère et puis... Moi, je me souviens, je m'étais acheté un blouson pour l'hiver. Oh, bah, c'est bien. Allez. Allez, c'est fini. Allez, c'est fini. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont sortis ces photos? Ils m'avaient juré qu'elles paraîtraient dans les pays nordiques. Alors moi, j'ai cru que... Personne n'en saurait jamais rien. Mais ouais, mais de toute façon, des gens comme ça, je veux dire, c'est honteux. Bah tu sais, je suis pas vraiment mieux qu'eux, j'ai quand même accepté. Non, mais dis pas ça, ça va pas, t'étais un bébé. Eh bah oui, tiens, j'y pense, t'avais 17 ans. Ouais, je me dis juste fait savoir. Eh ben, il avait pas le droit de les faire, ces photos, t'étais mineure. Il y a des lois très strictes hein, qui protègent les enfants, les adolescents. Je suis sûre qu'on peut les attaquer, tiens. Je vais en parler à l'avocat de Linda. Non, c'est pas... Laisse tomber, ça servira à rien. J'ai menti à ma mère, j'ai demandé qu'elle me signe une autorisation pour des photos en maillot de bain.
ma mère, si jamais elle tombe dessus. Lali, arrête de touiller ton chocolat comme ça. Tu vas en faire de la purée. Je suis énervée. Mais pourquoi? Tu ne te demandes pas pourquoi tout à l'heure Hélène a tenu absolument à parler à Adeline? Non, non, je me demande pas, non. Mais t'es en perte de vitesse ou quoi? Ça t'intéresse plus les secrets des autres? Mais écoute, Lali, j'essaye de me contrôler, moi aussi. Et puis après tout, je me dis que ça ne regarde pas. Ce qui se passe dans ma chambre me regarde. Mais Lali, occupe-toi de tes affaires. Mais bah justement, mes affaires en ce moment, c'est le calme plat. Alors forcément, je m'occupe de celles des autres. Lali. Mais quoi, Lali? Tu n'es pas d'accord? Non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Allez, mange ton croissant. Tu sais, je trouve un peu maigrichonne en ce moment. Salut, ben voilà. Ah, Nathalie. Oh, ben ouais. Ça fait plaisir de te revoir, allez, assis-toi. Ben, où est-ce que t'étais passée? Aux États-Unis, je suis rentrée ce matin. Avec un terrible décalage horaire dans la tête. Mais c'est génial. Et pourquoi est-ce que t'étais aux États-Unis? Pour aller voir Camille. Oh, mais c'est génial ça. Alors, c'était comment? Pas terrible. Je me suis fait jeter. Oh, bah... Excuse-nous, Nathalie, hein, on savait pas. Bah oui, vous pouvez pas deviner. Bon, bah ça va, ça a pas été trop dur. Bof, on s'habitue à tout. Enfin bon, moi maintenant j'ai compris que le monde était vraiment injuste. Mais dis pas ça, Nathalie. Mais si, il y en a qui sont faits pour être heureux et d'autres malheureux toute leur vie. Mais non, écoute, la roue tourne. Bon, et puis quand on a été malheureux, après on profite mieux des bons moments de la vie. Est-ce que tu peux être naïve, Nathalie? Enfin, je te comprends. T'as de la chance, toi, toute réussie. Bah non, faut pas dire ça, Nathalie. Mais si, enfin, regardez-vous. Tout vous réussit dans votre bande. Vous êtes beau, amoureux, vous n'avez pas de problème. Vos parents payent vos études. Non, mais arrête, Nathalie, nous aussi on a nos problèmes, hein. Ah ouais, vos petits problèmes de minette. Mais jamais de vrais problèmes, comme moi. Bon, écoute, ne dis pas ça, c'est complètement injuste. Tu parles. En tout cas, vous me faites vraiment rire avec vos airs de Sainte-Nitouche. Parce qu'en fait, vous êtes plus pourri que moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tiens, regarde. J'ai trouvé ça dans l'avion ce matin. Alors je l'ai acheté à l'aéroport. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde page 26. Ça t'évitera de chercher. Adeline, faut que t'aies le courage de le faire. Je peux pas, Hélène, je pourrais jamais dire ça à ma mère. Écoute, tu préfères qu'elle apprenne toute seule? Ça serait pire. Bon, bah tu vois, prends pas ce risque. C'est vrai, le magazine est en vente partout, alors... Faut que tu l'appelles. Bah, allez, courage, je suis là, hein. À côté de moi? Mais oui, bien sûr. Allez. Allez, vas-y, je t'assure, ça te soulagera. Tiens. D'accord. Allô, maman? Ben, j'ai fait une bêtise, une grosse bêtise, ouais. Tu te souviens, quand j'ai fait des photos, il y a 3 ans, je t'avais même demandé de me signer une autorisation. Ben, c'était pas pour des photos normales. J'ai posé une main. Merci. T'as eu raison de me forcer à le faire. Bon, allez, on n'en parle plus. Tu vois, c'est bien passé. Ouais, en tout cas,
J'ai beaucoup de chance d'avoir une maman géniale. Je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Bah, t'aurais fait pareil. Bon, ils sont là-bas. Tu tiens vraiment à leur dire? Ouais, je préfère que ce soit moi qui les mette au courant. Ouais, t'as raison, on y va. Les filles, j'ai quelque chose à vous dire. Attends, c'est toi. Ben voilà. Quand j'avais 17 ans, j'ai fait des photos nues pour un photographe et malheureusement, elles sont sorties dans un magazine. C'est pas grave. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. On est avec toi, tu sais. Quoi, mais c'est tout ce que ça vous fait? On est au courant, Adeline. C'est les garçons qui vous ont mis au courant? Ah non, on n'a pas vu les garçons ce matin. Alors, qui vous l'a dit? C'est Nathalie. Elle nous a balancé le journal. Oh mon Dieu, Nathalie. Mais où est-ce qu'elle a vu ça? Mais arrête, mais c'est pas important. C'est pas important. Mais si, c'est important, vous vous rendez pas compte, tout le monde peut me voir nue. Oh, j'ai honte. Ah, où est-ce qu'elle l'a vue? Bah, c'est pas compliqué. Elle rentrait de New York en avion, elle venait de se faire jeter par Canu. Encore? Ouais, et ces histoires ne se sont pas vraiment arrangées, hein. Elle avait l'air complètement dépressive. Vous vous rendez compte, les filles? Tout le monde peut me voir nue, même dans les avions en New York. Moi? Ouais. Pas grave, t'es plutôt jolie, hein. Allez, arrête, je crois pas que ce soit le moment. Oh, j'ai honte. Bon, arrête, Adeline, y a vraiment pas de quoi, hein. Y a pas de quoi? Non. Ce sont des photos de charme. Oh, j'ai honte. Bon, écoute, hein, faut que t'aies le courage d'assumer ce que t'as fait. Et puis tout le monde n'arrête pas de te dire que c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais je me sens trop sale. Mais enfin, écoute, ça aurait pu arriver à n'importe laquelle d'entre nous. Non, ça c'est pas vrai, vous êtes trop bien, vous auriez jamais fait une bêtise pareille, vous. Arrête, Adeline, maintenant. Calme-toi, hein. Vous êtes super, hein, je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Bah, on est des amis, c'est tout. Regardez, mais regardez, ça continue. Je me sens sale, tellement sale. Ouais, je crois qu'il faut faire un petit nettoyage. La lire. Ça vous amuse, hein? Bah quoi? On a bien le droit de la regarder. De toute façon, elle est bien dans le journal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez que pour mieux voir, il vaut mieux nettoyer ses lunettes. Là, depuis une minute, ça va beaucoup mieux. Merci, salut. Bravo, ma Lalita, t'es géniale. Comme d'habitude. Non, mais ici, les filles, ça sert à rien. De toute façon, je me sens trop sale. Bon, écoute, Adeline, calme-toi. Non. Je me sens trop sale. Mais non, attends. Adeline, attends. Ah, bravo, c'est bien aujourd'hui. Non, c'est pas bon du tout. Non, moi ça va pas, je suis pas bien là, il faut qu'on refasse ça, hein. Faut refaire, allez. Non mais attends, mais parle pour toi, je me suis trouvé très bien moi. Non mais t'es complètement sourd, t'as même pas entendu que t'as fait au moins 3 pains. Alors toi, et contente-toi de taper sur tes tambours, parce que t'as des progrès à faire mon petit père. Oui, mais bon, pas comme ça, parce que c'est vrai que t'as fait des pains. Mais enfin bon, fais penser à la pétition. D'accord, vous êtes tous contre moi? Bravo. Oh, dites-moi, c'est bizarre que les filles soient pas passées nous voir. Bah, de toute façon, ça nous fait des vacances, hein. C'est vrai. Dis-moi, Olivier, t'as pas l'impression que tu t'es fait avoir avec tes nouvelles peaux de batterie? T'as remarqué aussi, elles sonnent très très mal, faut que j'y retourne, hein. Mais vous avez prévenu, vous, qu'elles viendraient pas? Non, pas vraiment. Vous avez sans doute un truc à faire. Ouais, bah tu sais, sûrement un petit shopping, ça, c'est toujours la même chose. À chaque fois, on les attend toute la journée. Ouais, enfin, c'est bizarre. Adeline ne m'a rien dit. Bah justement, elles font ça en cachette. Elles ont tellement peur qu'on leur interdise de gaspiller leur argent. Bah c'est vrai quoi. Tiens, moi, il me faut, je sais pas moi, 3 pantalons pour une année. Nickel. Il faut toujours qu'elles aient l'impression que leur armoire explose.
Ça doit les rassurer. C'est vrai que les filles et leur shopping, c'est... Ouais, c'est un petit peu comme... comme nous et nos instruments. Oui, c'est exactement ça. Sauf qu'il faut pas leur dire. Hein. Oh. Salut tout le monde. Tiens, Nathalie. Nathalie, ça fait une éternité quand t'as pas vu, t'étais où? Je vous ai manqué. Ah bah oui, alors. J'étais en vacances aux États-Unis. Ah ah, bien, 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 aux États-Unis. Mais t'as dû t'amuser. C'est sympa, les États-Unis, c'est bien, ça. Ouais, bien. C'était vraiment génial. Mais il y a un petit nouveau. Ouais, je te présente Bruno. Bonjour. Bonjour. Et il est libre, ce beau jeune homme? Non, c'est le fiancé d'Adeline. Ah. Eh bien, félicitations. Elle est très jolie, Adeline. Ah, ben merci pour elle. Surtout dans les magazines. Ouais, j'avoue que je comprends pas. Vous n'êtes pas au courant que votre petit ami pose nu? Nathalie. Oh, j'ai fait une gaffe. Il n'était pas au courant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Rien, rien, Bruno. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Comment ça, rien? Vous n'avez pas eu le magazine? Attendez, je crois que je l'ai dans mon sac. Voilà, c'est page 26. Regarde pas ça, toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bruno, Bruno. T'inquiète pas, ça, c'est Nathalie. Il faut toujours qu'elle sème la zizanie entre nous. Et elle continue. C'est vraiment nul, ce que tu viens de faire, là. Bah, écoute, Nicolas. Il n'y a aucune raison que j'en prenne plus la figure parce qu'Adeline pose nue. José, montre-moi ça. Non, mais attends, tu vas pas la croire, mais tu vas pas la croire. Allez, regarde ce que j'en fais de ce magazine, tiens, regarde. Pourquoi t'as fait ça? Parce que t'as pas à le voir, c'est tout. Mais vous inquiétez pas, on peut le trouver partout. Il s'appelle Rêve. Vous en souviendrez? Bon, allez, j'y vais. Il est toujours mignon. T'es ça, oui. Va-t'en que je m'occupe de toi. Allez, ouste. Ouste. Mon tabac, ouais. C'est toi. Ouais, excusez-moi. Vous n'auriez pas vu Adeline? Elle a disparu.